chers amis téléspectateurs d'Espérance TV, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Sabbat Délices. Merci de vous joindre à nous pour un moment spécial réservé au Créateur de l'univers. Et pour cela, je suis en compagnie de Sylvie, que je salue. Dominique, je suis vraiment heureuse de partager avec vous, chers téléspectateurs, ce délicieux moment d'adoration. Merci de nous accueillir si chaleureusement au sein de vos foyers. Sans plus tarder, je vous propose d'introduire notre moment en prière. Notre Dieu, notre Père, loué soit ton nom. Que ton nom soit élevé, exalté. Merci Seigneur du privilège que tu nous accordes de conserver notre souffle de vie jusqu'à cet instant. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de cette semaine. Tu nous as gardés, tu nous as soutenus Seigneur par ta droite. Tu nous as gardés en sécurité. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Nous voulons Seigneur te remettre ce moment particulier, ce moment de partage. Nous te prions, Seigneur, de prendre la direction de ce moment et que ton nom soit exalté, élevé dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Rédempteur.
Sylvie, notre quotidien est ponctué de faits d'actualité décrivant des situations troublantes, difficiles, voire même dramatiques dans le monde entier. Effectivement, chers amis, plus personne, homme, femme, enfant, toute nationalité confondue, n'est épargnée. De telles situations qui maintiennent constamment captifs de la tristesse, du désespoir, du stress, un fléau sans cesse croissant au cœur de la société. Mais figurez-vous que si nous ne pouvons pas toujours échapper à toutes les tempêtes de la vie, nous pouvons choisir de résister à la violence des vents. Tournons un instant les regards vers le livre des Psaumes au chapitre 138, verset 38. David écrit ceci : L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté durera toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. J'aimerais à cet effet vous partager ce petit témoignage. C'est mercredi et c'est le jour des courses chez les Wilson. Paul, le petit dernier de la famille, est déjà tout impatient d'accompagner sa grand-mère à l'épicerie du quartier située à quelques mètres de leur maison. Comme tous les enfants de son âge, il aime particulièrement se promener entre les rayons de bonbons. Paul est tellement enjoué et souriant que Nicolas, le vendeur, lui dit « Eh bien, tu me plais, toi. Je t'offre une poignée de bonbons, tout ce que ta main pourra attraper en une fois. » Tout excité, Paul lui répond « Merci beaucoup, monsieur. Je préfère que vous les attrapiez pour moi, s'il vous plaît. » Intrigué par la réponse de Paul, Nicolas le vendeur lui demande « Voyons, mon grand, pourquoi ne veux-tu pas attraper toi-même les bonbons ?» Avec sérénité et assurance, Paul lui répond « Votre main est plus grande. » Psaume 138 de David. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Ma question pour toi, Sylvie, et pour vous, chers téléspectateurs, qui partagez ce moment en notre compagnie, avons-nous réalisé que notre main est plus
petite que celle de notre grand et glorieux Dieu immense. Amen. Cette question fait écho dans mon cœur. Une telle réflexion pousse à une véritable prise de conscience. Reconnaître la main de Dieu est assez grande pour nous protéger, nous bénir, nous consoler, nous relever. Oh, qu'il est rassurant dans l'agitation de la société actuelle de se rappeler que la main de Dieu est assez grande pour stopper l'ennemi. Alors à toi qui nous écoutes, qui nous regardes, n'oublie jamais que nous sommes tous l'œuvre des mains de notre Dieu créateur. Constamment réclamons la protection de l'Éternel ainsi que ses abondantes et inépuisables richesses. Elles nous appartiennent par la foi, grâce au prix payé par Jésus-Christ sur la croix. Chers amis, je suis très heureux d'être avec vous pour que nous puissions voir un texte biblique ensemble. Juste avant, je vous propose de prier avec moi. Éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment pour les Saintes Écritures. Et alors que nous allons aborder un texte, que ton Saint-Esprit nous conduise dans cette compréhension de ta parole, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Le texte que j'ai choisi pour que nous puissions ensemble découvrir le message de Dieu se trouve dans 1 Jean 4 et le verset 8. Il est dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Chers amis, vous comprenez déjà l'importance et aussi le côté essentiel de l'amour. Parce que nous voyons que la meilleure manière pour la Bible, pour la parole de Dieu, de décrire ce Dieu créateur, ce Dieu rédempteur, c'est d'utiliser le mot « amour ». Vous savez, tout comme moi, que l'amour entre deux êtres est quelque chose de primordial, parce que l'amour a cette faculté de pouvoir créer un attachement et de faire en sorte qu'on soit lié ensemble et que rien ne puisse véritablement détruire ou encore rabaisser la relation que nous aurons avec cette personne. Mais vous savez, Dieu est amour parce que Dieu aime tout simplement. Dieu a créé par amour. C'est l'amour de Dieu qui l'a poussé à créer les cieux et la terre. Et d'une façon particulière, de créer l'homme, de créer vous et moi. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et comme nous avons été créés à l'image de Dieu, il nous faut comprendre que Dieu partage son image avec l'humanité parce qu'il nous aime. Dieu crée un homme et une femme parce qu'il est rempli d'amour et aussi pour partager son amour. Parce que on le comprend tout de suite. Il faut savoir que on ne peut aimer pas seulement soi-même, mais aussi un autre. Il y a cette altérité. L'amour fait appel à l'altérité, fait appel à l'autre. C'est pour cela que j'aimerais vous inviter, vous aussi, à aimer parce que Dieu aime. Et je disais donc que Dieu nous aime parce qu'il est amour, qu'il est rempli d'amour. Et cet amour donne à Dieu une certaine créativité. L'amour crée, chers amis. L'amour permet à Dieu de pouvoir aller très loin, à l'infini. Et je dirais que pour nous, ce Dieu qui est amour, on n'arrive pas toujours à saisir les nuances de cet amour, mais on reçoit cet amour de Dieu. Parce que Dieu, dans sa sainteté. Alors, précisons, chers amis, certaines personnes ne le savent pas, mais j'aimerais vous dire que Dieu est amour et parce qu'il est amour, il est saint. Je vais reprendre cette pensée. Parce que Dieu est amour, il est saint. La sainteté de Dieu se trouve tout simplement fondée dans son amour. C'est pour cela que vous comprenez que dans la parole de Dieu, comme nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, Dieu va faire en sorte que nous puissions être saints dans l'amour.
Celui qui aime, comme Dieu l'appelle à aimer, cette personne-là aussi entre dans la sainteté de Dieu. En fait, chers amis, l'amour de Dieu est inconditionnel, sans condition. Ce n'est pas parce que je fais quelque chose que Dieu m'aime, mais Dieu m'aime parce qu'il est amour. Dieu m'aime parce qu'il a mis en l'humanité son image. Dieu m'aime tout simplement parce que je suis sa créature. Et quand on prend le temps de constater comment Dieu aime de façon illimitée, nous disions, de façon inconditionnelle, nous répétions. Parce que cet amour, chers amis, permet à Dieu d'aimer tout le monde, quelle que soit la personne. Et je précisais que ce n'est pas par rapport à nos actes, c'est pas parce que nous sommes bons ou encore que nous sommes méchants. Dieu nous aime tout simplement parce que sa manière de pouvoir être un être relationnel, c'est l'amour. Dieu est dans une relation d'amour avec la création. Et c'est pour cela que ce Dieu qui nous aime par-dessus tout prend le temps de s'occuper de la création. Et lorsque nous vivons avec cette pensée de l'amour de Dieu, et que nous réalisons que ce n'est pas ce que nous faisons qui permet à Dieu de nous aimer, et que l'amour est intrinsèquement lié à la personne, à l'être de Dieu, à la sainteté de Dieu, chers amis. C'est un encouragement. C'est une vérité fondamentale qui nous fait du bien. Cela veut dire qu'à tout moment, Dieu m'aime. À tout moment, ce n'est pas parce que je suis dans une situation ou non, Dieu m'aime à tout moment parce que c'est sa manière d'exprimer sa sainteté, c'est à travers l'amour. Et je disais donc que cet amour est inconditionnel. Chers amis, cet amour est illimité, cet amour englobe tout le monde, c'est un amour partisan, mais c'est un amour qui est total. Totalement versé, déversé sur l'humanité, sur toi et moi. Et quand nous sommes conscients de cet amour, chers amis, ça change notre vie. Ça nous donne davantage de confiance en nous. Oui, oui, je le dis haut et fort. Nous réalisons que ce Dieu qui même est prêt à tout faire pour moi, par amour. Et chers amis, lorsqu'on a saisi l'amour de Dieu, on avance, on progresse. Et les vicissitudes de la vie, même si certaines fois les choses sont compliquées, je le reconnais. Mais cependant, en s'appuyant sur l'amour de Dieu, quel que soit ce qui pourrait se passer, quel que soit ce qui pourrait arriver, on s'attache à ce Dieu. Et le texte dit très clairement, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Parce que lorsque tu connais l'amour de Dieu, quand tu as saisi cet amour, quand tu l'as accepté cet amour, tu as aussi envie d'aimer les autres. Oui, l'amour de Dieu, parce que tu es touché par l'amour incommensurable de Dieu. Et tu te dis, si ce Dieu m'aime, moi, si je veux l'imiter, aussi de l'amour. Et comme Dieu nous a appelés à sa sainteté, chers amis, il nous a appelés aussi à l'amour. Je veux vous inviter à aimer en recevant l'amour de Dieu. Et quand cet amour te remplit totalement et complètement, je peux te dire que tu es une nouvelle personne. Tu es une personne positive. Tu es une personne confiante. Accepte l'amour de Dieu. Éternel, notre Dieu, tu viens de nous parler à travers tes saintes écritures. Nous voulons te dire que nous acceptons ton amour et nous sommes prêts à répandre cet amour autour de nous. Fais en sorte que l'amour soit véritablement le moteur de notre vie
Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Les eaux et rempliraient la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les amis, ayons confiance en la puissante et victorieuse main de notre Dieu. Je vous invite à prier pour le remercier d'être celui qui veille sans cesse sur chacun de nous. Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voulons te remercier pour ta fidélité à notre égard. Merci d'être celui qui constamment veille sur nous. Merci d'être celui qui chaque jour pourvoit à nos besoins. Merci d'être celui qui nous offre la sérénité, la paix et l'assurance que même au travers des difficultés, des souffrances, tu es celui sur lequel nous pouvons nous appuyer constamment. Alors que l'honneur et la gloire, notre Dieu, te reviennent. Merci d'être notre papa d'amour. Merci d'être notre sauveur. Et merci d'être celui qui nous garantit la paix et la sérénité au travers des difficultés. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Nous t'avons prié dans le beau et merveilleux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Il a sa main sur mon si bien, au
si longtemps qu'il tient ma vie dans ses mains. Il m'aidera à surmonter. Nous sommes arrivés au terme de notre doux moment de partage dans l'adoration. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dans votre sabbat délice. D'ici là, si cette émission vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager autour de vous, la liker et mieux encore, à vous abonner. Bon sabbat délice. Bon sabbat délice.